Car c'est la meilleure idée pour une vraie liberté. Bonjour Laurent Hénard, on vous retrouve en direct via Skype à 8h24 sur CNews ce matin. Maire de Nancy, Laurent Hénard, on se souvient des transferts de patients au départ de Nancy pour libérer des places en plein milieu du pic. Laurent Hénard, ces images qui avaient ému bien sûr aussi beaucoup de personnes et qui avaient encore aussi mis une fois en lumière la faculté d'adaptation des équipes de santé françaises. On en est où, Laurent Hénard, de l'occupation des hôpitaux dans votre région et dans votre secteur? Alors, les hôpitaux du Grand Est ont retrouvé de la marge de disponibilité. Ça y est, hein, la phase de saturation, on va dire, de la réanimation respiratoire est passée. Et on a retrouvé, évidemment, des capacités d'accueil. On a quand même des nouveaux malades qui arrivent ici comme dans le reste de la France. Et puis, je rappelle toujours que quand un lit est occupé en réanimation respiratoire, il l'est généralement pour 3 semaines. Donc, il ne faut pas que nos concitoyens aient l'impression que parce que le nombre diminue, tout de suite, ça s'arrange du côté de l'hôpital. Il reste quand même 80 à 85% des lits qui sont occupés par des patients en état très grave et qui sollicitent 24/24/7/7 les personnels hospitaliers à qui, évidemment, je rends hommage. Laurent Hénard, il y a les annonces donc d'Edouard Philippe, ce sera mardi à 15h, il va s'exprimer sur 6 grands thèmes. Il y a aussi l'avis du conseil scientifique qui a filtré donc hier soir. Vous en avez sûrement lu quelques lignes, le port du masque qui serait donc obligatoire pour tous, la distanciation sociale, bref, les écoles qui pourraient réouvrir mais avec des masques pour les lycéens et pour les collégiens. Vous êtes maire, vous, d'une commune, c'est-à-dire que tous ces sujets-là, bien sûr, vous intéressent. Vous en pensez quoi, vous, sur le papier des annonces qui pourraient être faites donc mardi par Edouard Philippe? Alors, le rôle du maire, c'est d'essayer d'anticiper, évidemment, sur ce qui risque de se produire au plan national. Alors, prenons le cas des masques. La mairie de Nancy et la métropole ont cherché dès le 7 avril, en fait, à se faire fournir des masques. Alors, on a la chance en Lorraine d'avoir une industrie textile, d'avoir des entreprises qui sont professionnels du sujet. Donc, on a aujourd'hui passé la commande ferme de 500 000 masques, ce qui permet de donner à chaque habitant de la métropole 2 masques. Et ces masques seront disponibles et distribués pour le 11 mai. Mais c'est vrai qu'il a fallu finalement anticiper même le propos du président de la République. Sur le sujet scolaire, nous travaillons actuellement dessus, sur cette question. On a eu hier une réunion maire de grande ville avec Jean-Michel Blanquer, pardon, sur ces questions de reprise d'école, où on souhaite, c'est vrai, qu'il y ait la plus grande souplesse locale possible, parce que les réalités vont être différentes, parfois même d'une école à une autre. Il y a des écoles où on a déjà 12 ou 13 élèves par classe, d'autres écoles où on a 26, 28 élèves par classe. Donc, il faut qu'on puisse vraiment s'adapter au cas par cas. C'est la demande principale qui est faite au gouvernement, c'est que bien sûr il y a un plan national, il y a des mesures nationales. Le but, c'est évidemment de faire l'efficacité républicaine au service des gens, mais qu'on tienne compte du point de vue des maires, territoire par territoire, pour adapter au mieux les dispositifs. Justement, Laurent Hénard, ce déconfinement programmé le 11 mai, en tout cas le début d'un déconfinement progressif, si on veut être extrêmement précis. Est-ce que ça vous inquiète, vous, parce que vous êtes l'une des régions les plus impactées, les plus durement impactées? Alors, je pense que dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt globalement des habitants, de toute façon, il faut pouvoir reprendre une activité. Activité professionnelle un peu plus importante pour les adultes, et puis activité éducative pour les enfants qu'on en a besoin. Je pense surtout que c'est les messages de prévention qu'il va falloir bien passer. Ce que vous avez dit d'ailleurs parce que je vous suis depuis maintenant le début du journal, ce que vous avez dit avec les spécialistes que vous avez fait venir, rappelant que les gestes barrières, la distance d'un mètre, se laver tout le temps les mains, c'est beaucoup plus efficace que le masque mal porté. Donc il faut qu'on ait un message de prévention, il faut qu'on fasse comprendre à nos concitoyens que c'est pas le déconfinement, c'est pas le bon mot en fait. C'est qu'on aménage le confinement, mais que la règle reste d'être le plus souvent chez soi, d'éviter au maximum les contacts, parce que c'est en rencontrant d'autres personnes et en restant longtemps avec elles qu'on accroît le risque de propagation du virus, et de montrer qu'effectivement le rebond épidémique est toujours possible. Au 11 mai, les hôpitaux à Nancy
ne seront pas vides. Nous aurons encore des malades du Covid-19 dans les services. Ce qui veut dire que si l'épidémie redémarrait, on pourrait avoir un problème d'accueil dans les hôpitaux de l'Est de la France ou de l'Île-de-France, les deux grandes régions qui ont été déjà très touchées. Donc effectivement, je pense qu'il fallait assouplir le confinement, il faut assouplir le confinement, mais il faut le faire en disant les choses clairement à nos concitoyens et en faisant preuve de pédagogie. D'où l'intérêt, par exemple, de distribuer ces masques aux habitants, comme on va le faire à Nancy à partir du 11 mai, parce que ce sera l'occasion pour nous de faire de la prévention santé.